Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez tous bien. Quel jour sommes-nous? Nous sommes lundi. Lundi 6 mars, vous vous rendez compte? Le nouvel an, c'était il y a quoi? C'était il y a une semaine, c'est pas possible, ça passe trop vite. Coucou tout le monde, merci beaucoup d'être là. Coucou Michoulo, coucou Orana, coucou Edé, j'espère que je le prononce bien. Je crois pas que c'est Eudai. Je suis désolée, à chaque fois j'ai du mal à prononcer ton pseudo. Je crois que t'as eu un sub-gift, j'espère que ça te plaira. Et coucou Raven, comment tu vas mon Raven? Il est 16h39, messieurs, dames. N'oubliez pas que c'est l'heure du goûter, c'est l'heure du benko. N'hésitez pas à prendre un petit goûter si vous ne l'avez toujours pas fait. Hop, un petit peu de benko. Je ne veux pas vous spoil, mais il se pourrait que Quentin utilise le reste de ma coloration. Ce qui m'en reste. Bah attendez, je crois que je l'ai à côté de moi, attendez. Hop. Regardez, regardez, attendez, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir le pot de colo. C'est le pot de la coloration. En fait, vu que j'ai utilisé juste pour le bas de mes cheveux, il m'en reste encore la moitié en fait. Et voilà. J'ai plus de lait chez moi, je peux pas faire de benko. Oh. Tu sais quoi, Ejuna? Tu vas prendre ton seau, tu vas aller à la ferme et tu vas aller traire une vache. Non, je rigole. Non, pas de soucis, pas de soucis. Si vous pouvez pas faire le goûter maintenant, il n'y a pas de problème. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va chercher les korogu. Nous allons chercher les korogu. Je vais couper la musique. Voilà. La dernière fois, avant de se quitter, on avait justement, on va dire, préparé le prochain live, donc celui-ci, en préparant justement tout ce qui est korogu. Donc aujourd'hui, on va faire tout ce qu'on voit là, en termes de korogu. Du coup, voilà, c'est parti. Je sais plus parler. Ça m'a perturbé l'histoire de Raven qui fasse des dons de bits. Ça m'a fait voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup beaucoup. C'est très gentil. Ah. Voilà. En vrai, on voit pas trop mes cheveux vu que le siège est noir. Du coup, on dirait que genre mes cheveux ils s'arrêtent à là. C'est terrible. Coucou mon bibi, comment tu vas? Attendez, ça me stresse, du coup je vais faire un truc. Yes. Énorme. Je viens de faire tomber des trucs. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Hop. Hop. Je mets ma veste en jean derrière. Et là, cette fois-ci, on va... Ah bah oui, on voit mieux là. Ah bah littéralement. Regardez-moi cette beauté. Oui, c'est moi, le Brookie qui joue à Breath of the Wild. J'espère que tu vas bien, mon bibi. J'espère que t'as passé une bonne journée. Et j'espère que ma photo t'a refait ton après-midi. Voilà tout. Alors, je suis où? Je suis là. Je suis là, il faut que j'aille par là, c'est ça? Exactement, toujours tout droit. Ah, c'est vrai que ça... Ça en jette là. Puis regardez, sur la cam principale. Je suis très contente de ce que ça donne. C'est parti, de ce sens-là. L'épée de légende s'amène. D'accord, ok. Mais il est où? Il est dans les arbres. D'accord, très bien. C'est parti, oui. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai pas fait grand-chose en vrai. À part me préparer... Si, si, si. J'ai déposé un colis Vinted. J'ai été déposer des pièces de ma voiture chez mon oncle. Parce qu'il va me réparer ma voiture. Et merci beaucoup One Piece Otaku pour le follow. Merci, c'est très gentil. Bienvenue. Oula. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'étais voir ma mamie. Tu me vois là ici, hein, j'ai envie de dire. Par contre, ils sont méchants. Autant de méchants là. Attendez, je viens de commencer le jeu, je me fais agresser par plein de gens. J'ai pas envie.
Une pomme. Après, ça sera un arbre, exactement. Merci encore pour le follow et bienvenue. J'espère que tu te plairas parmi nous. Oh, je suis en train de me faire... Je sais plus comment on joue. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je trouve que la caméra, elle est bizarre. Pourquoi j'arrive pas à le toucher? Des fois, j'ai l'impression que je commence des phrases et j'arrive pas à les finir. Parce qu'il se passe des trucs à l'écran, du coup, je suis en mode... Oh là là, regardez. Oh là là. Oh là là, le Korogu, il est là-dedans. Oh, pitié. Non, lâche. Si je... Attendez, je vais faire un truc. Oh là là, on est pas mal. Hop. C'est bon? Ah bah enfin. Le drame de ma vie. De, tu racontes quelque chose en stream et puis après il se passe un truc et t'es là en mode oh, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. C'est vrai que c'est moi aussi en vrai. Je regarde si j'ai pris des photos de tout. Et coucou Candice! Merci beaucoup ma Candice. Merci beaucoup beaucoup, c'est très gentil. Déclame-moi tes compliments. Ça me fait très plaisir. Comme je disais tout à l'heure, avant que vous arriviez, j'ai vraiment de la chance d'avoir une petite commu de gens qui me font des compliments. Ah, c'est trop joli et tout, ouais, ça te va bien. Je sais pas, c'est... Oh, je vais jamais prendre photo, ça. C'est agréable, donc merci beaucoup. Non, du tout, je pense que je vais t'appeler Otaku. non, du tout, je les ai pas. J'ai hésité à aller prendre les DLC, mais... Je me dis que c'est dans 2 mois qu'il sort le jeu, donc je pense pas avoir le temps de les finir. Si je veux me concentrer sur les Korogu. Mais peut-être un jour je les prendrai. Hein. Mais franchement, ça m'aurait bien plu de faire les... ça m'aurait bien plu de faire les épreuves de légende, là. Justement, j'aime bien quand t'as pas d'armes ou quoi que ce soit que tu dois te débrouiller pour tuer les ennemis. Voilà. Encore merci d'être là, c'est gentil. Je pensais, est-ce qu'on ferait pas le live 24h vendredi soir ou pas? Je sais pas. Je sais pas quand est-ce ce live. Le live 24h sur Animal Crossing. Je sais pas si je dois le faire prévenir vachement en avance ou pas, je sais pas. Je suis mignon, mais j'adore la bagarre. C'est moi qu'on appelle Oscar. Les enfants sont mes amis. Les grands comme les petits, les filles comme les garçons. Oh non, non, c'est mon tonton. Maman, attention, vous cherchez la bagarre. Voilà Oscar. Coucou ma Neftis, merci pour ton raid. C'était le premier live de Neftis. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'était sur Breath of the Wild. J'espère que ça s'est très bien passé ma Neftis. Merci de m'avoir choisi pour ton raid. Et bienvenue tout le monde. Oh my god, hein, comme on disait tout à l'heure. Je suis arrivée sur le live de Neftis, j'ai fait oh my god, comme ça en criant dans le chat. Et on a supprimé mon message. Oh my god! Mais ici, vous pouvez arriver et crier oh my god, normalement, vous vous ferez pas ban. Ça s'est bien passé, même si c'était full stressant. Je suis d'accord que le premier live, c'est pas le plus facile. Effectivement. Mais bon, je trouve franchement que tu te débrouillais bien, Neftis. Hein. On dirait que... Qu'est-ce que... Ah, j'allais plonger dans l'eau. Oula. Mais je trouve que, ouais, que tu t'es bien débrouillé, Neftis. Hein. Bien joué. Ouais, je compte sur toi, Neftis, pour le punir. Ouais. Non, bah écoutez, hein, on retrouve du Breath of the Wild ici aussi, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le jeu du moment. Je sais pas, je vois tout le monde qui essaye de le finir à peu près avant que Tears of the Kingdom arrive. C'est compréhensible. Mais du coup, ouais, les Korogu, franchement, j'ai un petit doute sur est-ce que je vais y arriver ou pas.
Est-ce qu'il arrive à grimper à la verticale, Link? Oh, il est littéralement genre comme ça. Oh, le fou. Mine de rien, c'est vraiment Neftis. Je ne dis que la vérité ici. Il y a les DLC sur ce jeu, je savais pas, je connais vraiment rien. Je... Bah, t'as l'aventure principale, Orana. Et t'as, oui, les DLC pour ajouter plus de contenu. Ça ajoute pas mal de choses. Sans trop spoiler, c'est plutôt pas mal quand t'as fini le jeu, ça ajoute des choses à faire. Seulement 2 mois. Ouais, ça passe trop vite, hein. Mais ça, vous vous rendez compte, on est déjà en mars. Je sais que c'est une phrase un peu de vieille de dire « Ah, le temps, il passe vite. » Mais quand même, ça passe trop vite. Beaucoup trop vite. Hop. Non ? Il m'en manque un ? Arrête. Ah si. C'est trop mignon d'entendre les petits grillons. Le soleil se lève. C'est trop beau. Trop beau. Il pleut, super. Par contre, s'il pleut, ça va pas être facile pour récupérer les korogu quand on va falloir escalader. Effacer. Pipi, pipi, pipi. J'aimerais bien faire un live à un moment donné où je me maquille. Parce que. Faut savoir que ça fait 5 jours que je suis en train d'écouter un groupe qui s'appelle X Japan, un groupe de rock metal japonais des années 80-90. Et je suis complètement, comme disent les jeunes, matrixée par ça. Et c'est incroyable, faut que je vous fasse voir. Et justement, ils se font des maquillages assez. Un peu à la glam rock, Kiss, tout ça. Et en ce moment, ça m'inspire pour me maquiller comme ça. Parce que là, on voit pas, mais. On voit pas, je trouve, sur le stream. J'ai beau mettre genre 3 tonnes de couches de couleurs, ça a du mal à se faire voir sur l'écran. On voit que j'ai mis un peu de... Genre, là, il y a plus de violet. En vrai, les couleurs sont plus vives. Genre, là, là, là. Mais bon. On fait ce qu'on peut, hein. Hop là. Elle est cake. Ah, quoi? Keanu Reeves? Par le maquillage, comment ça? Je comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, Matrix. Ah, oui. Ok, j'ai compris. Excusez-moi. Merci pour... Oui, Bati. Je n'ai pas vu Matrix. Je crois que t'as pas vu Matrix non plus, Bibi, non? Je sais plus. Merci, Nefty. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est ma petite sœur qui m'a aidée à faire ma couleur. Quoi si? Ah, tu l'as vu, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Je savais plus, moi. Oh, vous le voyez, le korogu, là? Un petit peu trop rapide à mon goût. Me dis pas qu'il fait le tour du truc. Ah non, c'est bon. Il fait juste un rond. Tension, hein. J'ai rien dit, j'ai rien... tu dis ça, mais t'as pas vu Retour vers le futur, Bibi, donc... Moi, je serais toi, j'irais trop rien. Ouais, je me suis fait un coup dans les nuits. Ouais, du coup, on devait faire ça, bah, dimanche. Et t'as mes grands-parents, ils m'ont fait « Oui, vous venez à la maison manger pour la fête des grands-mères. » Donc j'étais là en mode « je veux faire ma coloration, il n'y a pas trop de temps. » Et du coup, avec ma soeur, on a un peu rushé, mais ça va. J'ai fait, on va dire, ce côté-là, ces côtés-là. Et derrière, j'ai fait une bonne ligne. Ma soeur, elle a bien regardé, puis elle a bien coloré et tout. Il y a juste peut-être derrière l'oreille, j'ai l'impression que c'est un peu clair, mais bon, ça va. Pas vu Retour vers le futur. Oh, quoi? Alors non, déjà mercredi, ensuite Retour vers le futur, c'est trop tôt. Hein? Trop, c'est trop. Quoi? Mercredi? Moi, je regarde pas la série avec mercredi. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Je suis pas très film, alors je vais rien dire. Ouais, non. Généralement, vous voyez quand il y a des gens qui sont là, man. Quoi, t'as pas regardé ça? Quand il parle à quelqu'un d'autre et que t'es à côté, t'es là en mode. Je vais rien dire. Tu te fais tout petit, toute petite. C'est quoi mercredi? C'est la famille Adams. Ils ont refait ça en série sur Netflix. Merci, monsieur Dove Green. Regarde. Regardez, j'ai les cheveux noirs. Noirs, profonds, dark.
je suis trop une emo. Ma soeur était en mode, t'es une emo girl. J'étais en mode, oh non. Oh non. Non, non, c'est pas emo, on va dire que c'est rock, ok? Ok. D'accord? Ma coupe, elle est rock, elle est pas emo. Je suis pas une emo girl, ok? Je veux rester... Mais je sais pas, mais des fois, j'ai des périodes où j'écoute du métal, du rock, je suis là en mode, waouh! Je passe des trucs trop mignons de Yukiko, hein? À littéralement un... Genre de la musique hyper forte. Mais ce qui est marrant, c'est que, vous voyez... Où il a mangé... Oh, le lézard. Pardon. J'arrive plus à parler, je suis trop... En plus, j'entends les voisins qui sont en train d'écouter de la musique chiante. Ça fait... Je ferme la porte un peu. En vrai. I'm closing the door. Du coup, je disais oui, j'écoute du Yukiko qui est toute mignonne, toute douce. Et d'un coup, je me mets à écouter du rock metal. Bon, ça reste des années 80. Mais le truc, c'est que... Arrêtez de me bolosser. Le truc, c'est que les chanteurs qui chantent... Enfin, qui font le rock et le metal, là, au fond, c'est des bébés nounours tout doux. Donc, est-ce qu'au final, ça serait pas la même chose que Yukiko? Coucou Apolline, merci de passer, c'est gentil, j'espère que t'as passé une bonne journée, puis ça va très bien, merci beaucoup. J'aimerais quand même regarder Retour vers le futur, oui, il faudrait. En vrai c'est un must watch. C'est ça. Moi et mes goûts en musique, c'est quoi tes goûts? Dites-moi c'est quoi vos goûts de musique? J'arrive pas à trouver un style particulier, j'arrive, même moi, niveau esthétique, même sur Instagram, vous voyez, j'aime bien les années 80, mais comme j'ai dit, je peux avoir des périodes où je fais des trucs genre plus mignons, plus doux, et d'un coup passer, let's go! Et du coup, je disais, donc je peux avoir le style tout mignon, puis d'un coup, je passe emo girl en fait. Du coup, j'arrive pas trop à me trouver là-dessus. J'ai l'impression que ça n'a pas de consistance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'écoute de tout. C'est vrai, Pauline? Genre des trucs plus récents ou vraiment tout. J'aime bien la J-pop, la musique celtique, le métal. Ah, je suis éclectique. C'est ça, éclectique. Le lieu où je travaille aussi, il est éclectique. C'est en plus un truc qu'on doit dire pendant la visite. Oui, alors vous vous trouvez dans un lieu éclectique, parce qu'il y a plusieurs styles qui ont été utilisés, tels que le néo-gothique, le néo-renaissance. Mais oui, vous me voyez. Let's go. Éclectique, ouais, c'est dur à dire. En vrai, ça m'intéresse trop ce que vous écoutez. Ça m'intéresse trop. Les périodes, c'est généralement de la pop, du rock, du folk. Mais j'aime beaucoup la synthwave aussi. Grave. Si vous saviez. J'aime bien la soviet wave. La soviet pop. J'aime bien l'euro... Comment ça s'appelle? Genre modern talking. C'est genre un peu euro... C'est pas euro dance. Des fois, j'aime bien l'euro dance. Genre cascada, pardon. Every time we touch, genre c'est trop bien. J'ai passé trop difficile à savoir en fait. Même pour mon style vestimentaire, des fois je suis là, ah c'est mignon et tout, les trucs pastels. Et là, waouh. J'écoute Carlos, un bon big bisou dans la voiture. Oh énorme. Bisous Rana, merci d'être passée. À plus tard. J'aime bien aussi écouter de la musique médiévale, ambiance taverne et tout. Énorme, trop bien. Ouais, c'est beaucoup trop bien. Ambiance taverne, let's go. Il y a des poissons là-dedans. Bonjour, je voudrais attraper le poisson. Bon, tant pis, il est trop loin. Coucou Moato, comment tu vas? Bienvenue, on parlait de musique. On parlait des styles différents de musique qu'on a.
Je pense que je vais faire un TikTok justement sur le fait que j'écoute Yukiko, genre, et puis qu'après ça se met en... C'est trop marrant. Et pourtant, j'aime pas trop les musiques qui sont fortes, ça fait beaucoup de, tu sais, d'instruments en même temps. Genre la guitare électrique, mais je sais pas, c'est l'exception à la règle. Oh, trop bien. Et du coup, j'achète rien du tout de, bah, du nouveau groupe que j'écoute, X Japan, parce que je me dis, je me garde mes sous pour le trouver au Japon. Trouver tout ça au Japon, moins cher. Par contre, ils me font rigoler, mais il est où le Korogu là? Non! Aïe! Non, pour sauter là-haut. Pourquoi il y a des fleurs violettes? Je les ai jamais vues, ces fleurs violettes là. Bizarre. Si, violet tempo. Mais il va finir par plus avoir de guibole. Tu peux pas descendre. Je pensais que j'allais pouvoir descendre, mais je peux pas. Du coup, voilà. Attendez, je peux vous faire écouter X Japan. Je suis désolée, hein, j'ai envie de vous saouler avec ça, mais j'ai personne à qui en parler. J'ai personne à qui en parler. Est-ce que vous voulez bien que je vous fasse écouter? S'il vous plaît. J'espère que je vais pas me faire strike, s'il vous plaît. Par contre, j'aimerais bien en version sans le public derrière. Genre ça. Je suis vraiment gogole avec ça en ce moment. Excusez-moi, hein, mais c'est trop. C'est too much. Genre, c'est trop bien. Ça ressemble à ça. Ça ressemble littéralement à ça. Et en fait, le chanteur principal, je l'avais déjà vu dans les émissions de télé japonaises. Mais je savais pas c'était qui. Il avait un look assez spécial et tout. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Et là, quand j'ai vu que c'était lui, tout a fait sens dans ma tête. Pourquoi je monte sur le truc? Je sais même pas. Par contre, je vois plus mon écran. Littéralement. Bon, attendez. Je vous avance, attention. Voilà, c'est ça. Ah oui, le Visual K, ah, Neftis. Tu me moques les mots de la bouche. C'est incroyable. Alors, trop bien. Voilà, merci d'avoir écouté. Merci de m'avoir supporté pendant que je montrais ça. Retournons au jeu. Merci. Genre, aller faire une connerie comme ça. Qu'est-ce que j'avais eu, moi? Je crois que j'avais quelque chose dans le moteur. Genre, il m'avait fait ouvrir le capot. J'étais là, bah, c'est là. Et il pleuvait à verse, en plus. J'étais en t-shirt. Et il me fait, est-ce que vous pouvez me lire la plaque aussi, là-bas? Je fais, ok. Non, mais au final, ça a été... Et puis en fait, il y avait un... Ah oui, il y avait un bouchon aussi. Il y avait un camion qui était coincé. Et on a attendu 20 minutes que le camion se décoince. Donc c'était assez stressant. Et puis il était méchant, vraiment, mon examinateur. Genre vraiment, il était méchant. Parce que du coup, il pleuvait. On descend, on met un feu rouge. Et il y a un mec qui faisait sa... Il nettoyait sa devanture de vitrine. Et vu qu'il pleuvait, bah, le moniteur, il a regardé, il a fait... Ah, il y en a combien du courage, hein? Genre hyper condescendant, tout ça, j'étais là en mode il est méchant. Et ouais, je l'ai pas eu à grand chose mon permis, parce qu'à un moment donné il a eu peur que ce soit genre j'aille pas assez ralenti dans un virage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la manœuvre qu'il m'a demandé de faire, c'était juste de me garer apparemment en créneau, et moi j'ai compris qu'il fallait que je me gare en créneau et que je recule. Et normalement, nos moniteurs qui sont derrière, ils n'ont pas le droit de nous faire des signes ou quoi que ce soit de nous aider. Et mon moniteur, il était derrière. Puis quand je regardais derrière pour reculer, je le voyais avec sa main. Il faisait, vas-y, recule, recule, recule. Trop chou, trop gentil, lui, par contre. Mais voilà, j'ai eu mon permis du premier coup. Mon pauvre Asni, il n'a pas digéré ce qu'il a mangé ce midi. Au moins,
maintenant, je sais que tu n'écoutes pas que des chansons japonaises des années 80. Comment ça, Dove Green? Non, j'écoute aussi d'autres choses. Mais principalement du japonais années 80, 90. Vous avez mis combien? Ah, j'ai eu genre 22, je crois, sur 20. Un truc comme ça. Et coucou Désespoir, comment tu vas? Ça fait longtemps. Merci de passer. J'espère que tu vas bien. Dans ce genre, j'aimais bien Alice Miser. Je t'avoue, j'ai jamais regardé les autres groupes Visual Kei. Après, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Oh non, c'est fini! Oh damn. Oh non, tristesse. Oh, les groupes séparés, quelle tristesse. Dont ils disent Japan, hein, ils sont séparés, mais. Enfin, séparés. C'est compliqué. Gact, il était dedans? Oh, Neftis, tu connais Gacto. Aïe, aïe, aïe. Trop bien. J'ai mention excellence. C'est bon, je suis plus stressée. Ah! Parfait alors, Apolline. GG. Pêcher sur la conduite écologique. Let's go. Des grosses assiettes de plats et le dessert. Mais tu m'étonnes que t'as mal à digérer. Je le connais. Oh, trop bien. J'y connais. Que j'ai écouté une valeur sûre. Incroyable. Tu vas devenir Visual Kei? Je crois que oui, Dove Green. Parce que... Du coup, ouais, j'ai commencé comme Hide, qui, est dans le groupe, qui était dans le groupe X Japan. Il a commencé à faire noir en dessous de ses cheveux. Il avait toujours les cheveux rouges ou roses. Et du coup, je suis à ça d'acheter une coloration rose pour mes cheveux. Je sais pas si je décolore, parce que vu que j'ai les cheveux, vous avez vu, j'ai les cheveux blonds, mais genre c'est un peu un blond cendré. Je sais pas si ça va se voir beaucoup, la coloration rose semi-permanente. Mais pourquoi pas? Visual Brookie. Coucou Kitiline. Un petit coucou coucou à toi ma Kitiline. J'espère que tu vas bien. Merci de passer faire un petit coucou. Je vais bien, merci. Bah tant mieux. C'est sympa encore, merci de passer Désespoir. C'est gentil. Ouais, ouais. Bah, j'ai regardé des vidéos, même des photos. Il a l'air quand même de bien fonctionner. Je sais pas si vous connaissez la coloration Manic Panic, ça s'appelle. Je crois que c'est américain ou anglais. Je crois que c'est plutôt anglais. Et du coup, je pense faire avec ça, en vrai. Coucou! Pardon, excusez-moi, j'ai le Benko qui est remonté. Coucou Ryoga, comment tu vas? Je suis bientôt affiliée, c'est vrai, Asni? Mais tu es tellement rapide. Bien joué, bien joué. Mais du coup, vu que j'ai fait mon noir en dessous, j'ai peur que si je fasse ma décolo, ça touche le noir. Que ça fasse des conneries. Le rototo du Benko. Oui, le rototo du Benko. Ouais, voilà. Voilà mon histoire capillaire, évidemment, à suivre hein, sur les réseaux, sur surtout, je veux dire Facebook, non, Instagram. Bah, GG, Asni. Mais du coup, ouais, je suis... voilà, je suis passe... c'est ma passe rock. Merci beaucoup pour le VVV, Neptune. Tu vois, non, non, pas du tout. Non mais je pense que c'est... je sais pas, c'est parce que je parle. Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. J'ai de l'air dans le ventre. Fume-moi la saison 2 de Brookie, ah bah oui. Je connais des personnes qui veulent que je fasse une coloration comme dans Fire Emblem, le dernier qui est sorti. Donc, c'est-à-dire les cheveux rouges et bleus. Genre une mèche bleue, une mèche rouge et tout. Oh, c'est trop compliqué ça. Attendez. Merci beaucoup N4. Pour le follow, merci beaucoup. Attendez, je suis qu'au stade où j'ai décoloré le dessous. C'est un grand pas. Tu as passé le tiers des noix d'ailleurs. C'est vrai, Dove Green. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, je m'étais déjà décoloré les cheveux, mais de manière très... pas terrible. En 2017. Vous savez, c'était l'époque Colorista, en fait. La marque L'Oréal avait sorti des semi-permanents, voilà.
Et avant de faire mes couleurs, donc colorista, violet, et je crois qu'il me reste un peu de violet. Avant de faire ça, j'avais décoloré une fois. Sauf que moi, la Toto, enfin j'ai des problèmes de... J'ai du psoriasis sur le cuir chevelu, donc c'est-à-dire que mon cuir chevelu il est toujours... Bah c'est sensible en fait, c'est comme une plaie. Et je me suis dit je vais pas mettre la coloration directement dessus parce que sinon je vais douiller. Sauf que ça m'avait fait des sortes de patchs de... C'était pas bien réparti en fait. Et du coup j'ai dû refaire une deuxième fois. Donc c'était un peu plus clair que ça, c'était vachement plus clair que ça quand même. Et j'avais fait le colorista violet rose. Et à un moment donné, je fais bleu. Genre bleu jean, trop beau. Sauf que, messieurs, dames, j'avais les cheveux décolorés, donc jaune plus clair, hein, et du bleu. Et le jaune et du bleu, ça fait quelle couleur? Ça fait du vert. Et vu que les cheveux, bah, ils étaient, on va dire, abîmés par la décoloration, ça s'est incrusté dans le cheveu. Et du coup, il y avait des petites mèches vertes qui partaient pas. Énorme. Bon, en vrai, faut faire des bêtises hein, pour apprendre. Hein. Voilà. Vert pomme, voilà. Oh non, c'était juste dégueu. Avec les lentilles assorties, bien sûr. Oh no. No, no, no. No, 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 no. Voilà. Les gens qui font de couleurs, c'est pour imiter Cruella. Mais non, d'œuf gris, non. Non, non. Et justement, j'avais regardé... Non, je vais pas le faire tout de suite. Je voulais faire un défi avec les points trèfles. Que vous donniez un maximum de points trèfles pour que justement je fasse un split hair. Donc un côté une couleur, l'autre côté l'autre couleur. Sauf que du coup, bah, je l'ai fait à l'inverse. J'ai fait le dessous noir et le dessus, voilà. Si, c'est comme elle. Oui, je pense que c'est comme elle aussi. Mais c'est pas pour imiter Cruella. Du coup, bah voilà, je n'ai même pas fait le défi. Voilà. Après, est-ce que je vous ferai pas choisir la... Non, non. Ça coûte quand même cher la coloration rose. Hein. Elle coûte 14 euros. Bon, c'est toujours moins cher que... que chez le coiffeur. En vrai, chez le coiffeur, pour ça, là, j'aurais payé 60 euros. J'en suis sûre et certaine. Sûre et certaine, j'aurais payé 60 euros. C'est obligé. Alors que là, j'ai payé 6 euros la coloration et la brosse. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Puis je trouve que ma petite sœur, elle s'est bien débrouillée, en vrai. Par contre, il pleut, donc je sais pas comment on va faire pour aller jusqu'à là-haut. Voilà tout. Donc, ouais, attendez. Qu'est-ce que je peux vous faire voir? Oh, il s'est passé quoi là? Oh, ouais, c'est pas passé loin. Hein. Non, 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 laisse-moi tranquille. Non. Ah, c'est pas passé loin. Hein. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer, mais... Coucou Martistica, comment vas-tu? C'est vrai, t'as tenu ta parole, t'as dit que tu passerais, t'es passé. Merci beaucoup. J'ai cru qu'on allait mourir. Vraiment. Aïe aïe aïe. Du coup, inspiration pour les cheveux. Vous êtes prêts? Voilà. Attendez. Il est où? Ah, il est plutôt par là, attendez. Regardez. Hop. C'est ici des... Hop là. Voilà. Pas celui-là là, qui est en bas à gauche. Plutôt celui-là qu'au milieu là. Voilà. Inspiration cheveux. Du coup, il faudrait un rose comme ça, mais je pense qu'on va jamais y arriver bah, si je décolore pas. Voilà tout. Bon. Est-ce qu'on va réussir à grimper tout là-haut? Ouais, on va y arriver. En vrai, on peut y arriver. Hop. Bip, bip. Et bon. Merci beaucoup, Jeanne, pour le follow. Bienvenue. Mais il est où, le Korogu, là-dedans? Allô?
Mais Bukorogu, where are you? Et merci beaucoup, Pierre. Bah, dis donc, il y a beaucoup de monde. Bienvenue, bienvenue. Ah, mais je viens de le... Attendez. Je suis complètement pompette. Parce qu'on vient de le faire, en fait, le Korogu, il était en dessous. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu à tout prix aller là-haut. Bon, bah, écoutez, on aura récolté des œufs. Hein. Let's go. Coucou, merci, Jeanne. Merci encore pour le follow et merci pour ton lurk, Pierre. Merci beaucoup. Voilà. Oui. C'est quoi tout ce qui vole là? C'est des canards? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 je veux pas tuer les canards! Comment je fais pour regarder? Oh! Pigeon arc-en-ciel! C'est quoi ces trucs? Je tue les pigeons arc-en-ciel ou pas? Non, vas-y, je tue pas les... Mais ça sert à quoi, les pigeons arc-en-ciel? Pourquoi il y a des pigeons arc-en-ciel? Comment ça? Cette vidéo est iconique, tu trouves? Ah ouais, faudrait que je la refasse, la vidéo des raids, parce que j'ai de nouveaux clips qui sont drôles. Pigeons arc-en-ciel. Mais vous saviez qu'il y avait des pigeons arc-en-ciel? Je ne savais pas. Ah oui, arc-en-ciel, le Neftis aussi, un groupe de Visual Kei. Oh, c'est trop beau, ça existe en vrai. Oh, ça existe en vrai, regardez. C'est trop beau. Attendez, 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 attendez. Regardez, vous le voyez là sur le petit coin. Regardez le petit pigeon. Il est trop mignon. Le petit pigeon. C'est trop mignon. Coucou Fébé, comment tu vas? Depuis... Et comment est ta peau? Est-ce que Fébé, j'ai offert un masque en or à Noël pour sa peau. Normalement, elle est resplendissante. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop chouchou. C'est trop pipou. Un peu de pigeon pour illuminer votre journée, comment ça? Oh beau! Mais ça sert à quoi? Il sert à rien, pigeon. On peut pas le... Non? On peut pas le loot? Y a rien à faire avec. Il est trop mignon. C'est peut-être un des trucs qui me manquait dans mon encyclopédie, en vrai. Ça a un peu brûlé vers la fin. Comment ça, ça brûle? Mais moi qui ai la peau ultra, ça va, en vrai. Tu l'as mis combien de temps? C'est bizarre. Moi, ça m'a jamais brûlé. Et Dieu sait que j'ai la peau ultra sensible. Je pensais faire bien avec le front, donc dommage. Dommage. Encyclopédie. Ah, le pigeon. Monde de violatile fine. Oh non. Ok. Il manque tout ça encore. En vrai, je me suis pas trop attardée dans ces régions-là, donc... Vous voulez qu'on... Ah, on a piqué... Oh. Pique les œufs des pigeons. Tu vas faire Ganon après les 900 Korogu, c'est grave long. Bah, j'ai déjà fait Ganon. Attention, pas de spoiler parce que je ne sais pas ce qu'on a lorsqu'on a les 900 Korogu. Mais non, non, je l'ai déjà fait Ganon. Là, je fais juste les Korogu. Après, j'essaierai de finir les vêtements et après les photos. Mais je sens que ça va être un peu long. Non, t'inquiète, moi non plus. Ah, ça va alors. Qu'est-ce que tu racontes, Asni? Il me semble que j'ai tous les vêtements, mais je les ai pas au maximum, en fait. Regardez. Enfin, j'ai pas ceux des DLC, bien sûr. Mais en fait, vu qu'on peut les améliorer, il m'en manque encore à améliorer. Voilà. Je suis plutôt bien avancée, mais quand même. J'ai l'impression qu'on va louper des Korogu, mais non. Il y en a un par là. Ah, mais il pleut tout le temps là-dedans, c'est trop pénible. Il pleut à fond en plus. J'ai l'impression qu'on fait que ça, utiliser le pouvoir du clair, là. Mais je vais où? Oh oh. J'espère que c'est au-dessus, c'est pas en dessous. Je croyais que c'était en dessous.
Je triche un peu avec ma carte, hein, parce que sinon on est encore là dans 2 heures. Je suis où là exactement? Attendez. Je suis au sud. Ah, ok, donc c'est... Ok, d'accord. D'accord, ok. J'ai compris. Du coup, je pense que ça commence de là-bas. Il faut qu'on atterrisse jusque-là. Du coup, il va falloir qu'on attende que ça se régénère pour pouvoir y aller. Tu as hâte pour le nouveau Zelda Tears of the Kingdom? Je sens qu'il va être incroyable. Bah, je sais pas trop. Comme je dis à chaque fois que je joue à ce jeu-là, ça fait vachement construction, craft. J'espère que ça va pas être comme Animal Crossing. Il y a juste ça qui me fait un peu peur. Sinon, oui, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Les bonnes douches, Asni. Le loot. Le loot du pigeon, oui, Neftis. C'est ça. Non, du tout, Jeanne. Je ne suis pas une Potterhead, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, je sais pas. Hier, j'avais envie de regarder Twilight. Il y avait Twilight à la télé. C'était, il y avait le 1 à 18h et il y a une sonde qui avait le 2 plus tard. Ils sont horribles, les voisins. Je suis contente d'habiter dans une maison. Oh, ça va être si long d'attendre. Il n'y a pas d'autres Korogu à faire en attendant. En vrai, pourquoi pas faire d'autres Korogu, parce que là, c'est too much. Mais non, du coup, pas de Hogwarts Legacy. Il y a Atomania dans le chat qui joue à Hogwarts Legacy. Si jamais tu cherches des gens qui y jouent. Et ta ville, moi, c'est Mipha et la cité Gerudo. Je dirais que c'est pareil que toi, Jeanne. J'aime bien la cité Gerudo. J'aime bien aussi le village Cocorico. Mais c'est vrai que la cité Gerudo, je me vois bien y vivre. Je sais pas, j'aime bien. Je suis d'accord avec toi. Et Mipha, et puis elle est trop mignonne. Hein. Genre, ça me fait trop pleurer. J'ai re-regardé Ultia qui justement faisait le temple avec Mipha. Oh, c'est rien triste. Non, c'est trop triste. Genre vraiment, j'ai eu la larme à l'œil. C'est trop triste. Voilà. Voilà. Par contre, il est où le Korogu là? Ils disent qu'il est par là. Je suis perdue sur les cartes en vrai. Je vais... Ouais, voilà. Hop. Je suis là. Juste en dessous. Ah bah, je suis littéralement là. Ok. Oh non. Oh non, c'est la même chose que l'autre fois. Oh là là, qu'est-ce que c'est... Bon, on change de Korogu. Lequel serait mieux? Peut-être là, non? Allez, hop là. C'est vrai ce point-là, Bibi? C'est vrai que c'est trop triste. Vraiment la petite larme qui coule à chaque fois. Je suis sûre en plus que j'ai été émue la première fois que j'ai joué. Mais de le revoir sur le live de Ultia, j'étais émue aussi. Vraiment, c'est triste. Voilà. Trop triste. Vous avez précommandé ou pas Tears of the Kingdom? Je vous avoue que moi non. À voir. Non, je pense que je vais l'acheter le jour J. Parce qu'en ce moment, il faut que je garde mes sous. Il est où le petit père là? Le petit père. Pourquoi il s'affiche pas? Ah si, c'est bon. Attendez. C'est trop compliqué là. Il faut que ça soit exactement pareil en prenant des pommes. Hein? Make the trees identical by picking apples. Qu'ils soient identiques.
C'est trop dur si on se trompe. Attendez. C'est trop dur. En plus, faut pas les couper. Ok. Faut pas que je me trompe. Hein. Celle-là, là, faut pas que je la... C'est trop dur. Après, peut-être qu'avec les flèches, on pouvait. Là, c'est dangereux. Ça, c'est archi dangereux. Attendez. C'est bon. Pareil pour ce mois, j'ai 0 sous. Ouais, non, là en ce moment, ouh. J'ai préco le jeu, oui. Ah ouais, déjà. Tu l'as préco où, une FF10 sur genre Leclerc ou un truc comme ça. Précommander, c'est le mal, mais non. Tu as des astuces et des glitches simples pour, et tout pour m'aider. Ah, du tout, Jeanne. Pour t'aider en général dans l'aventure ou pour les Korogu? Parce que si c'est pour les Korogu, tu peux prendre une carte en ligne, en fait. Je vais vous la mettre dans le chat. Hop. Et sur cette carte, en fait, t'as tous les Korogu. Donc c'est plus simple à trouver, en fait. Tu les positionnes... tu positionnes des petits repères et à chaque fois, tu vas au petit repère et puis tu cherches où est le Korogu en question. Voilà. Sur Amazon. Ouais, c'est pas top. Ah ouais, Amazon. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend. Moi, je commanderai pas sur Amazon. Je pense que je ferai plutôt au champ, comme d'habitude. Avec un peu de chance, il est au prix des autres jeux Switch, c'est-à-dire 46€ à la précommande. C'est quand même cher un jeu à 45€. Vous vous rendez compte, 40€ quand même? Après oui, il faut payer le développeur. Je suis d'accord, hein. Mais quand même, genre, c'est quand même cher un jeu. Je trouve. J'ai l'impression qu'on est tous pauvres, je crois que c'est ça. Parce que j'attends le remboursement de ma PS4. Attends. Comment ça, remboursement? Comment ça, Neftis? Enfin, Neftis Artistica, je vous confonds toujours. Comment ça, remboursement? Tu veux dire que quelqu'un va te donner de l'argent parce que t'as acheté la PS4 ou tu la renvoies? Oh. J'espère que t'as pas eu de soucis avec. Ah oui, je vous ai pas dit. La montre, en fait... J'ai acheté mon portable, j'avais une réduction déjà que je savais pas dessus. Et j'ai revendu la montre aussi, que j'ai eue avec mon portable. Parce que la montre était offerte, c'était la... Galaxy 4, Watch 4, machin. Sauf que la montre, elle était vraiment trop grande pour mon poignet, genre à dépasser. Et elle faisait trop grosse. Et du coup, je l'ai revendue sur Vinted. Et bah, je suis contente, comme ça m'a remboursé, entre guillemets, une partie de mon téléphone. Pas grand chose, hein. Mais en gros, mon téléphone, on va dire, je l'ai eu à 450€ au lieu de 749. Stonks. Petit stonks. Petit stonks parce que ça pique toujours, mais stonks quand même. Ça, il m'en fallait. Hein. Exactement, Neftis. J'ai reçu une 500 go. Donc je l'ai renvoyée samedi et j'attends le remboursement. Excusez-moi, encore rototo du Benko. Effectivement, oui. Heureusement que... Mais oui, mais quand même, c'est bizarre quand même qu'ils ont... Oh, ils se sont dit, vas-y, on envoie la PS4 500 go, peut-être que ça passe. Peut-être que sur un malentendu... sur un malentendu, c'est bon. Elle va pas s'en apercevoir. Attendez. Ma pauvre. Stop. Yeah. Il faudrait vraiment, je le dis à chaque stream, hein, il faudrait vraiment que je commence à les enregistrer, les Korogu que je fais. Parce que à la fin, à mon avis, ça va être terrible. Il me semble que ceux-là, je les ai tous faits, de toute façon, de ce côté-là. Bon, est-ce qu'on retourne là-bas? Oui. J'espère qu'il pleut plus.
Je m'étais pas rendu compte jusqu'à ce qu'ils me disent que j'ai plus de place avec 5 jeux. 5 jeux, t'es déjà à 500 go ? Effectivement. Quelle arnaque. J'espère qu'ils vont te rembourser. Quand même. Je vais manger un petit quelque chose, je reviens dans quelques minutes. Pas de... Neftis, te justifie même pas. Pas de soucis, bon appétit. Restaure-toi bien et puis à tout à l'heure, à tout de suite. Voilà, voilà. Bon, c'est reparti, j'espère qu'il va pas repleuvoir. Je vais pas les lâcher. Ah bah non, mais au prix que ça coûte... Non, merci. Merci, mais non, merci. Moi, j'attends toujours que mon boulot me reprenne. Parce que... parce qu'en fait, il n'y a pas trop de touristes en ce moment, donc voilà. Je sais pas si je l'avais déjà expliqué. Donc je suis là en mode, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me refaire travailler? J'ai besoin d'argent. Et j'ai envie de vous faire part d'un truc aussi. Pour aller au Japon pendant un an, là, je vais utiliser un site justement qui gère tout. Tout ce qui est visa, école. Et j'ai envoyé un mail pour savoir niveau appartement à Nagoya. Et ils disent qu'ils répondent normalement en 48 heures. Ça fait plus de 48 heures. Après, il y a eu le week-end. Bon, il y a eu le week-end. J'essaie de me rassurer. Je serais triste s'ils me répondaient pas. Il y a plusieurs en fait sites comme ça. Il y a Docodemo et il y a Gogo Nihon. Nihon. Et j'ai envie de passer par Docodemo, mais s'ils me répondent pas. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien aller au Japon. Est-ce que vous voulez bien de moi? Il repleut. Arrête. Arrête, stop. C'est une blague. Pourquoi je vois pas les trucs de Korogu sur mes... C'est trop chiant. Qu'est-ce qu'ils me font, moi? Non, il pleut. C'est nul. C'est nul. Stop. Et voilà. Voilà tout. Voilà. Si je baisse un peu la luminosité. Peut-être que c'est un peu mieux. Oui. Non. Je sais pas. Oui. Le truc le plus saoulant dans les Zelda, c'est la pluie. Je suis totalement d'accord. Je suis d'accord à 100%. Alors, attendez. Je triche parce que là, j'en peux plus de cela. Attendez. Il y a celui-là. C'est un ballon. Ok. Ça devrait le faire. Oui, je le vois de là, le ballon. C'est le ballon. Voilà. Heureusement qu'il faut pas monter là-haut pour l'avoir. Ok. Ça c'est fait. Et ensuite, il faut aller sur celui-là. Là. Lui-là. Ok. Est-ce que je grimperai pas sur celui-là? Je pense que oui. Ouais, non, la pluie, elle est trop... Et puis, on peut pas la contrer, la pluie, non? Quand on grimpe, malheureusement. Oula! Oh là là. Oh non! Je suis une influenceuse, Jeanne, t'as vu? Je te donne envie de jouer. Mais vas-y, hésite pas. Je sais pas du tout, Jeanne. Je dirais... je sais pas, en vrai. Dans 45 minutes environ. Parce qu'il faudrait que je tourne aussi une vidéo pour YouTube sur Animal Crossing Wii. J'ai pris ma Wii dans mon sac à dos. Ok, on y est. C'est quoi ça? C'est un papillon? Il est parti, tant pis.
J'espère qu'on va avoir assez de temps parce que remonter, non merci. C'est rapide quand même. C'est bon. Ah, hey. Trop mignon. Hop, effacer, effacer. Là, on est bon. Il reste celui-là. Là, qu'est-ce qui vient d'où celui-là? Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ah d'accord. Ça quoi? Ok, d'accord. Celui-là, il court juste apparemment dans le dans l'herbe. Donc ça devrait aller. Les pigeons. Comment ça, Jeanne? Laquelle? En vrai, je sais pas si je peux faire grand chose à. Je t'avoue, je sais pas si je peux faire grand chose, Jeanne. Mais hésite pas à regarder des solutions sur, sur internet. Parce que je t'avoue, je connais pas tout par cœur non plus. Ça fait longtemps que je les ai fait. Je crois que j'ai. C'est surtout en 2020 que j'ai joué à Zelda. Genre fin 2020. Je me connecte et je te dis. Je vais voir, je te dis. I will see. Hop. Tiens, on pourrait faire un sondage, j'attendais. Justement, c'est sur la précommande là de Tears of the Kingdom. Hop. Allô, Paul. Avez-vous préco Tears of the Kingdom? Oui. Non. Ok. Durée 10 minutes. C'est parti. N'hésitez pas à répondre au sondage. Il est où le canyon? Il est pas du tout là. Mais j'arrive pas à me repérer aujourd'hui. Je suis confuse. Ok. Je suis vraiment confusée. Il faut qu'on aille sur la pointe là-bas. Je crois qu'on voit en plus le socle du Korogood là. Ouais. Ça me fait un peu bader cette vallée là, ce canyon. Parce qu'on dirait vraiment la pierre, c'est des os. Pardon, c'est des os. Je sais pas, la façon que c'est fait, ça fait. Je sais pas, ça met mal à l'aise en vrai. Genre tout, voilà, la vallée du néant. Je sais pas, ça me met mal à l'aise. Ça me met... voilà. Oh Quentin, je sais pas si t'es encore là, mais on mange quoi ce soir? Je suis trop chiante. Stop. Stop, Laurine. T'as déjà faim pour ce soir? Il est quelle heure? Il est 17h50. Bon, c'est bientôt l'apéro. Par contre, j'ai trop peur que ça soit trop rapide. C'est comme celui-là, là, qui était dans la vallée, dans la région des Gerudo, là. Fallait aller ultra vite pour aller du point A au point B. Donc là, ça me fait peur aussi. J'ai bien une idée. Je te rappelle que cette idée ne peut pas être un truc qui commence par un ta et qui finit par un cos. Mais c'est trop dur. Ah ! Comment je peux faire ? Mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Non, est-ce possible? Non, est-ce possible? Oh, 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 bah dis donc. J'ai bien cru que ça allait jamais le faire. Let's go. Merci beaucoup. Oh, bah dis donc, là, j'étais en mode... Le fameux os de Phasmophobia. Mais oui, pour ceux qui n'ont pas la ref, attendez, je vous fais voir. La ref. La ref de l'os. Attendez, il est où? Il est où? Mais en fait, c'est sorti tout seul. Et quand je l'ai dit, genre, il est où l'os? Est-ce que t'as trouvé l'os? Je me suis dit, c'est obligé.
ils vont me dire un truc parce que j'ai dit os au lieu de as. Avec Dalida. T'as eu un fou rire ? Ma mission est accomplie. Si t'as eu un fou rire, donc je vous invite évidemment à aller voir mes petites vidéos. Hein. N'hésitez pas à soutenir. Petit pouce bleu. J'ai fait une vidéo best-of, entre guillemets, du live Phasmophobia qu'on a fait avec Monsieur Xelirium. Et genre, c'est trop rigolo. Genre, vraiment... Bienvenue sur ce live Phasmophobia. Je suis trop contente de jouer à Phasmophobia avec Monsieur Xelirium. Du coup, tu joues à la manette ou au clavier? Non, je suis clavier. D'accord, moi je joue à la manette. C'est pour ça, si tu me vois me faire des U, c'est normal. Ça fait un peu Spider-Man, mais ouais. Vous allez voir le truc avec l'os. Alors, on va essayer de trouver l'os en plein moment. Enfin, l'os, pardon. Ouais. Merci pour le follow. L'os. Te moque pas de mon accent. L'os. Chercher l'os. Putain, je vois pas de détection. On m'a toujours appris à dire os, en fait. C'est comme la boîte. On m'a toujours appris à dire boîte. Pareil pour la poêle. Poêle. La poêle, la poêle à crêpe. J'ai toujours dit poêle. Attends, c'était rigolo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était rigolo? Dalida, non? En fait, Dalida, c'était trop marrant. Parce que, attendez. C'était où? C'est où Dalida? C'est là. La lune, mon ami Pierrot. C'est juste après ça, je crois. Caché dans Xeli. Voilà, c'est ça. Je sais pas pourquoi. J'ai une chanson dans la tête. Xeli, je suis morte devant la caméra. Comme une star. Je sais pas pourquoi. J'ai eu cette musique de Dalida en tête parce que la caméra, mourir sur scène, je suis morte devant la caméra. Bref. Merci à tous. Revati. Et ce qui est trop marrant, c'est que du coup j'étais morte et Xeli m'entendait pas. Et plus tard, genre deux games après, Xeli se met à chanter la même chanson. Et j'ai re-regardé son chat, personne n'a parlé de Dalida dans son chat. Ah, t'as dit qu'on avait gagné celle-là? Oui. Vous allez voir, c'est trop marrant. Moi je veux mourir. Tu m'entendais chanter tout à l'heure, non? C'est trop bizarre, non? Hein? Je chantais ça tout à l'heure quand j'étais morte. Ouais. Bah, tu vois, comme quoi on est connectés. Oh, c'est trop marrant. Bon, vraiment, c'est trop rigolo. Il est fou. Et après, c'était où? Dans la tente, je crois. Jane! Can you write, Jane? Est-ce que tu peux écrire? Est-ce que tu peux faire un petit autographe, s'il te plaît? Are you Dalida? Are you the lady who sings? Moi, je veux mourir sous terre. Can you write in the book? Bon, j'en fais exprès, hein, mon accent franglais, là, c'est pour que ça soit comique, hein. Évidemment, je suis un petit clown. Du coup, pareil, si vous voulez... Enfin, pareil. Si vous voulez jamais, voir cette vidéo, n'hésitez pas, c'est ici, voilà. Autopromo, hein, dans mon live, autopromo, écoutez. Voilà, et du coup, c'était rigolo à faire comme vidéo, puis ça change un peu de d'habitude. Hop là. Ok. Ensuite, faut monter tout là-haut. Est-ce que... Je pense qu'on va faire ça là, puis on va... Ouais, on va faire ça. Coucou Rosalina! Oh, courage ma Rosalina, merci beaucoup de passer, de faire coucou. Ça fait toujours plaisir quand vous pouvez pas forcément être là, mais vous passez genre juste... Ah, coucou, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Merci. Ça dit quoi le petit sondage? Non, bah, attendez, je vote aussi. Y'a qu'une seule personne Capricorne. Aïe. Uber Eats, 10€ frère sur votre prochaine commande. Quentin! Pareil, cette région-là, je l'ai pas tellement fait. Enfin, je l'ai pas tellement faite, j'ai fait les Korogu, mais tout autour de là, j'ai pas tellement. Même là. J'ai pas tellement découvert ou quoi. J'ai fait. Genre, vite fait le truc piaf. Vite fait, je suis montée là-haut. Vite fait, je suis redescendue en fait. Terrible. Quel sens que je dois aller? Plutôt par là. Non, si. Nancy Wheeler. Non, c'est là que je vais aller, c'est juste en face. Bizarre. Étrange. Que je suis abonnée, merci à la personne qui m'a offert un abonnement, je suis hyper touchée. Oui, bah oui, je sais plus ce qui l'avait offert, c'est soit Quentin, soit Candice, ou soit Bibi, je dirais.
J'ai entendu un bruit chelou. C'est... Pourquoi il y a ça là? Bizarre. Étrange. Mais voilà. Mais sinon, n'hésite pas à regarder si t'es sur ton menu d'accueil de Twitch. Donc, ça fait une sorte de petite boîte aux lettres tout en haut. Boîte aux lettres, pardon. Et tu peux voir qui te l'a offert. Mais ça me fait plaisir. Quand je vois que vous vous offrez des subgifts, bon, déjà, je suis rincée, hein, merci beaucoup. Mais quand je vois que c'est des gens en plus qui sont là souvent, à qui on offre, ça me fait trop plaisir. Vraiment. Par contre, je vais jamais réussir à remonter, c'est pas possible. Dazor ! Mais ça fait combien de temps qu'on t'a pas vu, mon Dazor ? J'espère que tu vas bien. J'espère que t'as passé une bonne un bon début d'année 2023. Et merci encore pour le follow, fan de Breath of the Wild. Merci beaucoup. J'espère que je peux me reposer là, parce que sinon... Non. Non. Debout. Non, Link. Ok. Non. Let's go. Tout va bien. Everything is fine. We are in the canyon. Non, 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 non. Il y avait Mipha. Non, tranquille. Hop. Pardon. Qu'est-ce que je... Allô? Attendez. On n'avait pas pris en photo l'arc-le de l'aigle. Oh. Très bien. Ah, il y a autre chose qu'on n'a pas pris. L'épée de soldat. Non. Comment ça, on n'a pas pris l'épée de soldat en photo? En fait, il faudrait faire ça avec toutes les armes qu'on a actuellement sur nous. Ok, petite pause des Korogu, on va faire ça. Non, la plupart des gens n'ont pas précommandé Tears of the Kingdom. D'accord. Deux personnes ont précommandé. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas trop les sous en ce moment. Je pense que c'est une des explications. Ok, j'ai changé de bouclier. Admettons, je vais mettre celui-là. Et en arc, je vais mettre... Alors celui-là, parce que l'autre, je crois que j'ai déjà... J'ai perdu, je sais plus comment. Non. Ah. Bouclier de la garde royale. Je l'avais pas pris en photo? Arrête. Je suis tout propre, c'est bien. Ça sent meilleur dans le chat. Arc du faucon non plus? Oh. Je l'ai préco. Ah, Tomania. Sur quoi tu l'as préco? Je retourne sur Hogwarts Legacy. Bah écoute, joue bien, Tomania. Ok. Ensuite, je vais mettre celui-là. Pour moi, je l'ai déjà. Qu'est-ce qu'il me faut aussi? Le bouclier, je l'ai fait. La lance, je l'ai fait. Ok. Arc du faucon. Ah non, c'est l'arc que j'ai pas changé. Mais il y a tellement de trucs que j'ai pas pris en photo. Je pensais que la plupart des armes, je les avais toutes. Hein? Même pas. Je vais prendre ça. La baguette, on a déjà fait ça. Ensuite, ça. Ok. L'arc royal, c'est bon. L'espadon aussi. Et le bouclier aussi. Bon, on est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il est sous blister, c'est vrai. Ah oui, et puis l'autre jour, tu disais, ouais, dans 5 ans, il va valoir je sais pas combien de sous. Je pense pas tout de suite, Asni. On avait dit ça, on avait dit, attends un peu, quand même. Je dirais dans 10-20 ans, peut-être. Peut-être. Mais genre dans 10 ans, non, pas quand même. L'arc, c'est bon. Le bouclier aussi. L'arc. L'arc. Boomerang. Non, on a déjà tout pris en photo. L'espadron, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Ok. Ensuite, celui-là. Et l'arc. Ça, c'est la même chose. Ça aussi. Le dieu bestial. Non, je pense que je l'ai pris en photo, ça. Quand j'ai tué le Linel. Arc. Arc. Bouclier. Non, bah écoutez. Ok. Non, mais pour les arcs, je pense que c'est tout. Non, non, non. Ok. Non. J'ai du mal avec... avec les contrôles. J'ai l'impression que ça fait ultra longtemps que j'ai pas joué. L'épée de Linel, c'est bon.
Le bouclier aussi. En double chez moi, donc je vais utiliser celui-là qui est ouvert. Bah oui, bien sûr, voyons. Hop. Quoi d'autre? L'éventail de Korogu avec le bouclier du dieu bestial. Je pense que je trouve aussi. Ouais. Feuille de Korogu aussi. Bah écoutez, ça sûr je l'avais fait. Ça aussi, peut-être ça. Non. Pour les... Ça c'est bon, ça aussi ça. Oui, ok. Peut-être. Ah non, ah, effectivement. Espadron, chevalier, let's go. Je galère aussi avec les touches dans le jeu, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je joue pas régulièrement. Je pense que la fois où j'y jouais vraiment beaucoup, je pense que ça allait tout de suite. Longue épée de vertu, on l'a déjà pris en photo. Et la Master Sword, est-ce qu'on l'a déjà prise en photo? Ah bah oui, quand même. Non, si. Épée de légende, oui. Oui, bah écoutez, je pense qu'on est bon niveau photo. Attendez, si on regarde. Regardez tout ce qui est encore. Regardez tout ce qui est encore à compléter là. Non. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'était pas notre objectif de base. De base, fallait qu'on aille juste là. Où est-ce qu'on peut aller pour monter tout là-haut? Bah là, écoutez, on va y aller à pattes, hein, comme on dit. On va y aller à pattes. À papattes. Qu'est-ce que vous dites que... Attendez, j'ai un sondage à faire encore. Une expression que je dis. Chez nous, on dit ça casse pas quatre pattes à un canard. Mais vous, est-ce que c'est pas plutôt... ça casse pas quatre pattes... ça casse pas trois pattes à un canard. Est-ce que je suis la seule... Enfin, dans ma famille... Est-ce qu'on est les seuls à dire quatre pattes à un canard? Ça, attendez. L'expression... Ça ne casse pas... Pattes... Comment on écrit pattes? Genre des pattes. De TE pour une patte d'animaux? Je sais pas comment on écrit. Pâte de canard. De TE, ouais, c'est ça. Ça ne casse pas. Pâte à un canard. J'ai assez de place pour écrire. Trois pattes. Ou quatre pattes. N'hésitez pas à voter. Je dis trois pattes. Quatre, c'est trop. Trois pattes. Ah bon, je suis la seule qui dit... Attendez, je vais voter hein, pour mes quatre pattes, hein, parce que je me sens un peu seule, mais... à voter, c'est bien. Votez tout le monde. Je sais pas pourquoi on dit pas ça. Chez nous, ça casse pas quatre pattes à un canard. Trois. Peut-être parce que trois, il y a le R à dire. Donc trois pattes à un canard, ça fait vraiment de... Et vu qu'en Normandie, souvent, je trouve qu'on ne prononce pas les R, ça casse pas quatre pattes... Quatre pattes... Un canard. Peut-être qu'on dit ça parce que c'est plus facile à prononcer. Oui, j'ai vu de la pub pour Scream 6. Mais j'ai peur que ça soit un nanar. Il me semble que j'ai vu la bande-annonce en allant voir Halloween, il me semble. Et je crois que c'était nanar, non? Dans mes souvenirs lointains. Je sais pas. Oui, Neftis, j'ai hâte. Comment ça, elles sont pas toutes mortes, les chauves-souris? Mais tape sa tête, tape pas son corps, arrête. Oh, plutôt arrête en plus. Hein. Arrête de faire ton malin, là. Faites vos malins. C'est quoi là-bas?
c'est que ça. Bah merci pour les poissons, écoutez. Il y avait de l'eau, non? Bizarre. Après, sans ciné, ça sera plus pareil. Je t'avoue que à ciné, je suis pas très Scream. J'ai regardé le premier Scream, tu vois. Mais je suis plutôt une Halloween girl, en fait. Michael, une Michael Myers girl, vous voyez ce que je veux dire? Voilà tout. Vous allez me connaître par cœur à la fin. Vraiment. On n'est même pas de la Normandie, mais j'avais déjà entendu ça. C'est vrai? Oh, Red of Green, t'as déjà entendu 4 pattes un canard? Même si je suis la seule à avoir voté 4 pattes un canard. Mais je pense que c'est pour ça. Parce que 3 pattes, ça casse pas 3 pattes un canard. Alors que dire, ça casse pas 4 pattes un canard, c'est plus rapide à dire. 4 pattes. Entre l'os, la poêle, la boîte, 4 pattes un canard. Personne confond avec Scary Movie, ça va? Non, non, c'est bon, hein, je confonds pas les deux. Celle du garage, elle est iconique. Je me rappelle, je vois le garage dans ma tête, je sais qu'il faisait une fête à ce moment-là, avec des gens. Mais voilà. Évitons de parler, voilà. Non, Scary Movie, quand j'ai appris, ils ont fait une blague sur Michael Jackson et tout, j'étais là en mode... Nous rompis cham. Non mais en Normandie on dit pas ça. J'avais déjà entendu ça quand je vivais à Rouen. Quelle Normandie tu parles de Green? Tu parles de la Basse peut-être, ou peut-être de la Manche, ou peut-être de l'Orne. Mais quand je pense à la Normandie, je pense pas à l'Orne. Pour moi l'Orne ça fait... Je suis désolée, hein, ça fait pas partie forcément de la Normandie. Je sais que ça fait partie, mais ça fait pas partie. Mais si tu l'as entendu à Rouen, c'est parce que je suis de Seine-Maritime, donc peut-être que... Voilà! Je ne dis pas peut-être, je dis peut-être. Aïe, aïe, aïe. Oh, je voulais attraper le papillon, mais il est en train de s'envoler, je suis déçue. Pas de soucis, désespoir, merci beaucoup en tout cas de rester depuis tout à l'heure, c'est gentil. C'est trop gentil. C'est bien, mais le 5 a l'air un peu nul, du coup j'ai pas vu. Ah, bah c'est comme les films Halloween, hein. Sur genre 13 films Halloween, t'en as 2 qui sont bien, vraiment bien. 3 ou 4 qui sont, enfin, contents, qui sont ok. Et le reste, mais c'est juste nanar. C'est juste le gros nanar, quoi. Sous un caillou. Ah bon, sous un caillou, où ça? Je suis où là? Je suis où exactement? Ça monte genre dans le petit trou. De l'ambre! Oh non, dommage. Manche, peste Normandie. Ah, je dis pas qu'il y a des meilleurs Normandies, hein. Théoriquement, faut pas qu'on dise oui, toi t'es la meilleure, toi t'es la meilleure. Théoriquement, il faut s'allier, se joindre nos forces pour défendre le Mont-Saint-Michel contre les Bretons qui essayent de l'avoir. Ouais, heureusement qu'il y a des guéris d'Ofcrim. Mais j'aime bien aussi bah, la Manche aussi. Bah, la Basse Normandie, j'aime bien parce que c'est plus vert. Il y a plus d'arbres que la Haute Normandie. Et la Manche, j'aime bien parce que c'est là où je vais en vacances. Du coup, je suis contente. Qu'est-ce qu'il y a tout en bas, là? C'est quoi là-bas? Ah, c'est un petit canard! Il est trop mignon! Oui! Je sais pas ce que je fais ici, mais je suis ici. Oh, y a des poissons! Bah, j'essaye de récupérer le plus de loot possible. Parce que j'en ai besoin pour justement augmenter tout ce qui est tenu. Du coup, c'est utile. Bonjour les poissons! Je veux vous pêcher! Oui. On est un peu en train de se... Allez, concentre-nous sur les gorogou. En vrai, on y est presque, hein. Il reste tout seul, hein. C'est quoi tout ça? Il y en a vraiment 4, là. Ah, faut remonter là-haut. Bon, bah, let's go.
Mais calmos. Vous cherchez trop les problèmes. Sniff, fais gaffe comment tu parles. Watch your mouse, comme on dit. Your mouse. Watch your mousse. Par contre, franchement, je péterais un câble si j'habitais là. T'as les gosses, ils rentrent de l'école et jusqu'à 23h, tu les entends courir. Tu les entends courir, sauter sur les lits, les canapés, ça court partout. Genre, moi, je péterais un câble à la fin. Vraiment. Je pense que si vous tendez l'oreille, je pense que vous pouvez entendre. Pourquoi il y a un feu là-bas? What the fuck, les amis? Allô? Pourquoi il y a un feu? Bizarre. On va aller voir. Je pourrais pas non plus. Ah oui. Atomania est breton? Oui, il est breton, Atomania. Ah, mais. Ah, par contre, Atomania. Atomania, je suis désolée. Je suis désolée, Atomania. Atomania, je suis désolée, mais. Tu vas aller au coin. Et tu vas réfléchir à ce que tu viens de dire. Non. Ah. D'accord. Mais du coup, je l'ai déjà fait. C'était une quête. Attendez. Si. On cherche sur Mister Wikipédia, si tu marques Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel, Wikipédia, il est où mon Wikipédia? Il est là. On va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. Donc, roi de Bretagne, Normandie, Mont-Saint-Michel, ok. Le territoire du Mont était encore sous domination bretonne en 1933, lorsque Guillaume Ier de Normandie, autrement dit Guillaume Longue Épée, obtient du roi de France un agrandissement notable de son territoire avec le Cotentin et l'Avranchin. Donc c'est à cette date que le Mont est officiellement rattaché à la Normandie. Voilà. Parce que si on commence qu'à dire que ça reste breton parce qu'avant 1900, c'était breton, t'es en train de me dire que l'Alsace est allemande ? Que le bas de la France vient d'Italie. Hein ? Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Donc c'est normand. Merci à tous. Merci à tous. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est écrit, pas ? Pomme Berne, c'est ça. On a dit casser trois pattes un canard. Ouais, bah je me doutais bien, Rosalina, que ça allait être ça qu'elle allait gagner. Fière de notre boujou régional, Rosalina. Tu me ôtes les mots de la bouche. Je savais pas que t'étais normande, Rosalina. Mais tout le monde est normand. Je trouve qu'il y a beaucoup de normands, non? Parce que des fois, je suis sur le live d'Antoine Daniel. Et vous savez, il fait la classification des villes de France. Il les note. Et quand ça parle de Normandie, il y a tellement de monde dans le chat qui est là en mode « Ouais, représente et tout !» Mais on est partout. Non, j'ai perdu les chouchous. Tant pis. Mais c'est incroyable. Oh, il y a des petits bonnets. Elles sont trop mignons, le petit bonnet. Est-ce qu'on prend un petit bonnet pour avancer plus vite? J'ai jamais fait ça, en vrai. Non. Non, c'est bon. Tranquille, tranquille, regardez. Il a même pas essayé de me dégager. Non, range ton épée par contre. Lui. Comment on fait pour le calmer, elle? Good boy, good boy. Good boy. Attendez. Le petit poney. Il est trop mignon. Mais j'ai des origines bretonnes. Non, en vrai, il y a beaucoup de bretons qui sont en Normandie et de... De Normand, Bretagne. Le petit poney. Mia mia. Non, ça c'est un chat. Stop blowing. Par contre, attention, attention, petit poney. Doucement. Doucement, mon petit poney. Doucement, mon chéri. Non, non, t'énerve pas. Mais du coup, Atto, je sais pas combien de temps il est puni au coin. Comment je fais pour le faire revenir, Atto? Mon pauvre Atto.
Atto, il est au coin. Il est où mon Atto? Comment je fais unban Atto? Attendez. Slash unban. Atto mania. Je crois que c'est 600 secondes, c'est genre 10 minutes. Voilà, c'est bon. C'est bon. Coucou mon titure. Re. Re Atto. J'espère que t'as bien réfléchi à ce que t'as dit. Oh, coucou mon tutur, merci beaucoup de passer faire un coucou. Tutur, souvent tu manges des trucs trop bons. Dis-moi ce soir, qu'est-ce que tu manges? Je viens d'avoir une notif de YouTube me disant que je peux pas ajouter la vidéo à regarder à plus tard parce que j'ai atteint la limite. Mais meuf, t'as combien de vidéos dans ton... T'as combien de vidéos dans ta playlist de trucs à regarder? C'est pas possible. Pomatomania. 3500. Mais c'est possible? Est-ce que c'est possible? Faut les enlever au fur et à mesure, sinon t'es c'est pas possible. Non, il pleut encore. Oh. Attendez, stop. C'est quel Korogu que j'ai là? C'est celui-là. Ah non, c'est celui-là qui est tout en haut que j'ai... Attendez, quoi? Je suis où, là? Ah mais non, aussi, j'étais pas au bon endroit. Je suis pompette. Catch the fairy light at the top of the bear tree. Il est où, the bear tree? Il y a un bear tree pas loin. Where is the bear tree? Allô? Where is the bear tree? I think the bear tree is here. Yes, look. Tu m'attends là, mon petit poney? Tu promets? Tu promets? Tu promets, tu m'attends. Ok? Good boy. Tu promets, tu m'attends, mon chéri. Ok? Allez. Oh, il m'a attendu! Il est trop gentil. Par contre, je crois que j'ai plus de place à mon étable. Y'a pas une petite pomme? Regardez, je suis tellement gentille. Tiens, mon chéri, mange. Voilà. Good boy. Vraiment un amour. Oh, mais il pleut! Bon, on va attendre un peu. Ça fait 3 ans que je vide pas. Oh la vache. Quand même. En parlant de manger, je dois trouver des idées de menus pour aller faire des courses. C'est vrai que si vous préparez tous les menus de la semaine, vous pouvez acheter justement juste ce dont vous avez besoin et vous faites des économies. Premier réflexe, lancer Twitch pour aller voir Pomme Vanille. Merci beaucoup, Tutu. J'espère que ça s'est bien passé ta journée. Bah oui, je veux savoir, Tutu. Évidemment, je veux savoir. Bah oui. C'est pour que ça nous inspire, parce qu'on aime bien te copier avec Quentin. On disait non, j'avais des milliers de vidéos à voir, c'est ça. Ah. Je sais que c'est pas bien, mais quoi, Asmi? Faut donner un nom à la limite, tu crois? Merci beaucoup pour le follow, Jirkel. Merci beaucoup, bienvenue. Redésespoir. Merci de revenir, c'est gentil. Italien avec la marque Gaulois. Je pensais que t'allais me dire genre des sushis, des trucs comme ça. Je suis un peu déçue en vrai, Tutu. En fait, c'est quand je te demande pas que tu sors les trucs les mieux, puis après voilà. Mais bon, c'est pas grave, que veux-tu. Pain au chocolat ou chocolatine? Bah, pain au chocolat. Évidemment. Non, en vrai... Par contre, Titi, non. Reste là, mon titi, reste là, titi, tiens, titi, non, oh, titi, tiens, tête pop. Reste là, Titi.
Jamais tout seul les sushis. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi, hein, pause mouchage de nez. Hein. En attendant qu'il pleuve plus. Titi a profité que je me bouche le nez pour repartir. Il est où? Il est là. Ok. Je vais pas chanter la chanson, Asni. Bon, bah écoutez, hein. Bisous, ma Neftis, encore félicitations pour ton live. Et merci encore pour ton raid. Et je te fais des bisous. Et je te dis bon appétit, bonne soirée et bon courage pour le travail demain. Bisous. Oui, bah Quentin, il avait commencé à faire la collection. Mais je t'avoue, la collection, elle avance pas trop, là. Titi, il est où, Titi? Titi, il est là. Mais est-ce que t'as bientôt fini la carte de France, Tutur? Est-ce que quelqu'un dans ce chat a déjà fini la collection des magnettes cordon bleu? Si ça intéresse. Ouais, tu peux m'envoyer des magnettes par la poste. En vrai, hein. Titi. Hop là. Bah, de toute façon, il faut descendre. Hein. Allez, Titi, on y va. 5 ou 6. Ça doit être à chaque fois l'angoisse quand tu ouvres une boîte de cordon bleu. T'es là en mode, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce que je faisais collection en magnettes, dans les cordons bleus, c'était les magnettes Star Wars à l'époque. Genre, quand ils ont sorti les 3 films en 2000. Oh, je faisais vraiment la collection de ça, c'était trop bien. Vraiment, c'était ma vie. Et un jour, on a dû changer de frigo. Et ma mère voulait, savait pas quoi en faire. Je les ai récupérés. Attendez, quoi, même. Les magnettes Star Wars. Vous savez, c'était des petits magnets genre en rectangle vers le haut. Trop bien. Après ça, les gens qui sont nés en 2005, je pense que vous avez pas connu. Bah voilà, c'est ça. 99 et 2005. Bonjour. Bonsoir. Attends, Titi, va pas trop loin. Ok. Il y en a un par là. Mais il est où? Faut descendre, non? Allez, Titi, on y va. Ok. Ok. Est-ce qu'il est pas en contrebas? La réponse est... évidemment que... bah... attendez, je suis pompette. On the side of the cliff, just below the very top. Oh, c'est où? C'est genre derrière moi? Mais où ça, derrière moi? Presque, c'est plus en bas. Et encore d'expédition sur Easy Cash. C'est vrai? Bientôt. Bientôt, Atomania. Bientôt, bientôt. Soon. Il est où? Mais il est où? J'aurais peut-être dû sauvegarder en vrai. Oh, c'est hyper haut! Bon, tant pis. Mais il est où en vrai? Je l'ai pas vu du tout. Mais c'est ultra haut! Ok. Ma bonne chance pour remonter là. Par contre, j'ai pas une sauvegarde. Si, c'est bon, j'ai une sauvegarde où je suis sur Titi. Let's go. Je préfère manger dans la boîte. J'en achète pas. Hein? Ah, d'accord. Ouais, nous aussi, on achète de moins en moins d'industriels. Après, quand t'es tout seul... que
T'as la flemme de cuisiner. Bon, je veux bien comprendre le pourquoi du comment. Mais t'énerve pas, Titi. Pourquoi tu t'énerves? C'est peut-être plus par là, non? Stop, Titi. J'arrive pas à trouver où c'est. C'est tellement frustrant. On the top, on the side of the cliff. Just below the very top. Oui, mais quel very top? Il est marrant, lui. Genre, c'est pas là, parce que là, on a été, ça y est pas. Et genre, là, on est trop loin. Attendez, je sauvegarde et on va sauter. Attendez, sauvegardez. Oui. Oui. Mais faut être deux, de prime. Faut être deux. Mais il est où le... Pourquoi j'arrive pas à le trouver? Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça c'est quoi ça? Non, en vrai, je... Mais pourquoi je le trouve pas? C'est terrible. Charger. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh. Ok. J'attends toujours des livres, des lives à CNL, mais... Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Tu cuisines pas avec Quentin? Je préfère pas. Parce que j'ai l'impression de donner trop de directives, donc je préfère pas être chiante et rien dire du tout, en fait. Mais après, quand... Non, je dis rien, je dis rien. Mais c'est pas possible, il est où? Mais que je vous explique mon histoire là. Je vois le Kourougou là. Je vois le Kourougou au même endroit sur la carte. Vraiment le même endroit. Mais impossible. Sur le côté de la falaise. Juste en dessous du point tout haut. Mais. Pas possible. Sûrement une grotte. Ouais, c'est ça. En fait, t'as des trucs à exploser. Je vois des rochers, tu vois, à faire exploser. Mais. Je les vois pas du tout sur la carte. Genre, sur le côté de la falaise, oui, bah d'accord. Genre, la logique, ça serait que ça soit genre juste en bas. Sauf que juste en bas, il n'y a rien du tout. Genre, vraiment, je m'avais bien vous faire voir aussi, mais regardez. Attendez. Genre là. C'est exactement là où je suis, en fait. Juste là. Ouais, c'est ça. Mais... Où c'est que tu le vois, le mur? Ah! Me dis pas que je l'avais déjà trouvé. Ou peut-être que j'ai fait exploser le caillou, mais j'ai pas soulevé la pierre. Coucou monsieur Mieux, comment tu vas? Merci de passer. J'espère que t'as passé une bonne journée. mais merci Fébé quand même pour les indications. Il y a un détecteur d'œuf green si t'as le DLC. Si je dis pas de bêtises. Info chat. Voilà. Si t'as le DLC, effectivement. Let's go. Sinon, ouais, j'aurais mis le détecteur. Bah, évidemment, j'aurais mis le détecteur. Direct. Il est où, Titi? Il est là, Titi.
En vrai, je pense qu'on va laisser Titi libre. Hein. C'est triste, hein, mais on va laisser Titi libre. Bon, il sera tout seul. On laisse Titi libre tout seul, ou pas? Non. Non. Pas un caillou. Non. 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 Leave me alone. Leave me alone. I'm just looking for the Korogu. Remarque, j'ai besoin d'ombre. Mais j'ai plus beaucoup de flèches. J'ai plus beaucoup de flèches. Merde. J'ai plus de flèches, j'ai plus rien, c'est la dèche. Oh, j'ai jamais pris en photo un Yox. Cheese. 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 C'est pas un Inox, c'est un Litorok, qu'est-ce que je raconte? Vas-y, viens par là, Titi. Ça me fait absolument rien du tout. Rien du tout. Aïe. Non mais... Non. Ça me sert à rien ce que je fais. C'est bien, il est dans un endroit où il bug, il peut pas. Tu peux utiliser la prière à tout moment. Il est coincé, regardez-le. Regardez-moi ce Toto. J'ai pas un arc plus puissant que ça, 51. Regardez-moi ce Toto, il est coincé dans les cailloux. Par contre, je crois que j'ai pas assez de flèches. Regardez-le, il est coincé. Quel dommage. Quel dommage. Ah si, j'ai encore 5 flèches. Let's go. Vu que ma pomme m'a donné envie de prendre un apéro tout à l'heure, je vais acheter le nécessaire, faut cuisiner après. Y'a un bug exploit là. Mais oui, monsieur Mu. J'ai 740 Korogu sans Solus. C'est vrai? C'est trop bien. Oh. Non, on l'emmène. Tu veux emmener Titi? Je vais essayer de retrouver Titi après, Artistica. Ah. On va y arriver, hein. Franchement, je suis bien, là. L'arc royal va se briser, pardon. Ah, j'ai raté ma dernière flèche. Ah. Bonjour. Oh. Il était plus bloqué, bugué là, quand même. Oh. Puis je fais n'importe quoi. Ah, c'est fini, Topipo, là. Oh non. Non. Heureusement qu'il est bien. Ça va. Putain, ça a quasiment rien enlevé. Non, je tire au-dessus. Non. Ok, on y est presque. Let's go. Let's go. Le Korogu, il est là en mode qu'est-ce qui se passe derrière moi? Tout va bien. Le pauvre Korogu, il était en mode je bouge pas. Tipeur. Ah, ça fait plaisir ça par contre. Personne n'utilise l'épée de légende. Mais non, elle est trop nulle l'épée de légende, c'est dommage. Allez, en vrai elle est stylée quand elle est bleu fluo là. Elle est trop stylée l'épée de légende. Mais sinon non, c'est pas. Mais Titi en fait il est. Bon. Non, je vais arrêter de me plaindre. On va chercher les deux derniers. Par contre... Non. Par contre, il est où le dernier Korogu? Ok, il y a un truc de puzzle. Par contre, on va jamais réussir à remonter là-haut. Oula.
C'est trop chiant de monter, je le sens. Alors. Oui, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. C'est pas ça? Arrête. Arrête. Merci Dove Green, merci d'être passé. Et puis bon apéro à toi et à plus tard. Bisous. Bye. Let's go. Ces petits tonnerres. Oh, non, c'est faux. Je ne suis pas la fille qui a joué Zelda une fois dans sa vie pour monter sur un poney. Oh. Ah oui, c'est vrai, Asni, oui, oui. Non, mais c'est vrai que ça... Geek Day is de Lille, c'est vrai que ça fait un peu cher, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Oui, le pauvre Kourougou. Bon, faut monter là-haut. J'en peux déjà plus. Bon. Ah, puis j'ai plus qu'un seul pouvoir de machin. Oh. C'est parti. C'est génial. Je vais changer de costume pour aller plus loin. Hop, hop. Hop. Hop, hop. C'est parti. Juste pour qu'elle fasse du poney, c'est vrai, c'est trop mignon. C'est trop mignon, tu vois. C'est beaucoup trop chaud. C'est juste trop mimi. Attendez, attendez, attendez. Avant qu'on remonte là-haut, il y en a un autre qui est en bas. Genre celui-là, là. Il est où celui-là? Ok, bon, c'est encore un truc à exploser en bas. Ok. Mais je pense que c'est pas si en bas que ça. Je pense que c'est plutôt là, là-haut. Attendez. Link qui marche contre la falaise. Par contre, là, on va plus pouvoir le faire. Ok. Et là, le truc a explosé en haut ou en bas? Attendez. Sur la photo. Sur la photo, il fait vachement à l'ombre. Hein. Ah, il est là. Oh, il est tout en bas. Va falloir tout remonter pour aller chercher... pour aller chercher Titi Poney. Oh. Let's go. Puis vient le gardien. Tous ses espoirs se sont anéantis. Le gardien, il a pas tué son poney quand même. Re fan de Breath of the Wild. Re. Bon, je vous laisse, mes révisions du bac m'attendent. Bisous, Rosalina, pardon, j'ai failli pas voir ton message. Bisous, ma Rosalina. Vous savez, c'est l'heure de quoi? Vous savez, c'est l'heure de quoi? Mais j'ai plus de... J'ai envie de tirer dans la patte parce qu'il me faut une griffe, il me semble. Putain, ça touche rien du tout. Ça touche son dos, ouais. Je veux toucher sa patte. Oh, j'ai touché sa patte. Est-ce que je suis une légende? Par contre, là... Ah! Oh non, c'est tout là-haut. Oh, je suis trop contente, j'ai réussi à toucher sa patte. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, par contre, pitié, c'est trop loin. J'espère que ça va pas dépop. Oh, vous imaginez, ça dépop. Attendez, attendez, attendez. Oh, pitié, s'il vous plaît. First try. Deuxième try. Merci beaucoup, giga légende. Ouais, je... Ouais, ouais, ouais. J'ai le compas dans l'œil, tout ça. Coiffeur, ouais, coiffeur. Merci beaucoup. The Legend of Punvani, c'est moi. C'est juste moi, en fait. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Hey, hey. Tout ça pour Titi. Non, tout ça pour le Kourougou. Et pour remonter, pour revoir Titi après. Mais je crois que j'ai vraiment plus de place hein, dans mes petits poneys. Par contre, il est où le... Il est encore plus haut, non? Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il va pas s'en aller parce qu'au secours. En plus, ce dragon-là, je le vois pas souvent. Ouais.
que je traîne pas trop dans ce coin-là. S'il vous plaît, il est... Oh, cassez-vous. Ah, j'aurais dû le prendre en photo, non? La boulette? Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai fait la boulette? Est-ce que j'ai fait la boulette? Y'a pas de photo? Ah, let's go, merci Tutur. Merci Tutur. Bon, alors, on va aller chercher Titi. On va déjà enlever ça. Ok. Mais en vrai, y'avait ça à côté. Mais si je me TP, y'a plus de Titi, non? Non? Est-ce que je pourrais avoir confirmation que si je me TP, y'a plus de Titi? Juste des dragons entiers. Oh, j'aurais dû le prendre en photo. Oh merde. Oh non. Tant pis. Je pense que ouais, si je me TP, y'a plus de Titi. Hein. Je pense que Titi, il est gone. Si je... Mimi. Comment je fais pour monter tout là-haut, là? Oh là là. Pitié. Est-ce que je tente? Parce que franchement, ça fait loin. Hein. Je tente. S'il te plaît, Titi, reste. Pense au pouvoir des pommes que tu as mangées. Comment ça se fait que tu aies tous les cœurs rouges? Parce que je suis trop forte? Non, je sais pas, parce que j'ai vraiment tout fait. Et puis j'ai troqué, je pense que j'ai troqué de l'endurance pour des cœurs. C'est possible. Je suis où là? Dans une grotte? Ah non, c'est bon, je peux sortir. Oula! Bonjour! Oh là là. Je crois que Titi va être gone. Par contre... Non! Oh! Oh, il pleut! Oh bah écoute, hein, Artistica, excuse-moi, mais Titi, il va rester sur les hauteurs de la colline La Bulle. Hein. Tant pis. Hein. Je suis désolée pour Titi, mais ça va être comme ça. Hein. Ainsi va la vie, hein, comme disait... je sais plus qui c'est qui chante ça. C'est qui chante ça, ainsi va la vie? C'est pas celle qui chante « Je remue le ciel le jour la nuit » ou tout ça? Mais oui, mais je suis obligée, il pleut et tout. Et j'ai faim. Oh. Oh, tristesse absolue. Vu que tu as tous les sanctuaires, mais pas l'endurance à fond. Je pense que c'est ça, hein. Vu que j'ai pas l'endurance à fond, c'est que... Ah, puis il faut sortir de là-dedans. C'est rien grand comme jeu, c'est trop grand même. Bon, allez. Super. J'ai appelé mon cheval Wild. Comme Breath of the Wild. J'espère que ça vous impressionne. Regardez, je suis Darkling. Let's go. C'est long ou pas? Non, bah, c'est pas long. I am Darkling. I'm just so dark. C'est moi dans ma phase émo, ça. Il est back. Qu'est-ce que tu racontes? Interdiction de se TP. Oh, ça serait si long, Monsieur Mu. Ça serait infernal. Après, faisable, hein. Mais très long. Alors, je dézoome. Je rezoome. Oh no. Il est où, lui? Lui, il est sous le pont. Ok. Il y en a un qui est sous le pont d'Avignon. On dirait qu'il va se casser le pont. Je sais pas pourquoi. Ça fait des vibes bizarres comme ça. Oui, là, regardez. Et...
Korogu en feu. Ok, donc lui, c'est bon. Champion, champion. Et il faudrait que j'aille de l'autre côté de la rive. Donc ce qu'on va faire, on va aller là. En vrai, avec la moto, ça va vite. C'est vrai. Mais encore une fois, nous n'avons pas les DLC. C'est vrai que ça irait plus vite avec la moto. C'est un true fact. J'irais même plus un true story fact. Je sais pas pourquoi je les ai pas pris au final, les DLC. Et à un moment donné, j'hésitais. Mais je crois que pareil, j'avais pas trop de sous au moment donné. Du coup, je me suis dit... Ah ! Ah non, attends, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on était au même endroit que tout à l'heure. J'étais là en mode, non ! God, no ! Par contre, il pleut, ça va être... ça va être marrant, je sens. Il va où ? Il pleut. On abandonne la mission. Désolé, pas désolé. Celui-là, je l'efface parce que du coup, c'est le résultat de celui-là. Et celui-là, c'est quoi ? On aura fait... Enfin, on aura fait 20 Korogu. C'est bien, non ? Et avant de se quitter, on va aller voir aussi les fontaines des sœurs doigts de fées, là. Les fontaines de fées. Pour voir si on peut pas améliorer des objets. Des armures. Il est long. Hein. Bon, on a le temps, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Ah, un sondage pour qui est le meilleur prodige. Est-ce que vous pouvez me répéter c'est qui le nom des prodiges? Parce que je crois que je vais faire des fautes. Enfin, le meilleur prodige ou celui-là que vous préférez? Moi, je préfère... Parce que toujours dans... Oui, moi, je trouve que c'est celui-là le meilleur. J'aime pas trop ça parce que je préfère... comment dire? Un peu balancer les idées, vous voyez? Je suis pas du genre à faire... Non, mais de toute façon, c'est le meilleur. J'aime pas les gens qui font ça. Non, tu peux pas dire qu'un truc est le meilleur forcément, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quel est votre... Prodige préféré. Le meilleur selon vous. Mifa. Je crois qu'on l'avait déjà fait la dernière fois. Je sais plus c'est qui avait gagné. Je sais pas si Urbosa. Urbosa. Est-ce qu'ils ont les mêmes noms en japonais? Daruku. Et... Oui mais non. Revali. Levali. C'est trop chiant à dire en japonais ça. Attention, vous avez 10 minutes. Hein. C'est parti. On a dit celui que j'apprécie le moins. Tu crois? Tu crois tu tires que j'avais un indice, que j'arrive à deviner avec cet indice là? Le pauvre, c'est vrai qu'il a beaucoup de... Vous croyez que c'est possible? Non. Vous croyez que c'est possible? Arrête. Non. Non. En vrai, ça aurait été possible si j'avais... Ah, ah. En vrai, je pense que c'était faisable. Hein. Mais bon, tant pis. Marraine la bonne fée, elle est où? Je sais plus où elle est, attendez. J'avais mis un repère. Je crois que je me tépais... Je me tépais où? Bon, écoutez, celle-là, je me rappelle plus, elle est où? Je sais plus, elle est... Je pense que je vais aller plutôt sur celle-là. Il y a trois Urbosa. Comment ça? Allez, moi je change, je vote Mifa. Sans vouloir vous influencer. Moi j'aime pas Mifa, pourquoi? Parce qu'elle pleure de trop, c'est ça? Ou peut-être il y a trop d'émotions pour toi, monsieur Mu, du coup t'es là. Non, je veux pas avoir d'émotions, je l'aime pas. Non. C'est vrai qu'il est arrogant. Oui, après ils ont chacun leur...
leur spécificité. Fleur piment, j'ai déjà eu tout ça. Mais j'aime bien Mipha aussi. Ah, je sais bien Mipi. Peut-être que j'ai dû faire une pause. Je suis en train de bugger dans ma tête, oui. Ah, ah. Oh. C'est pour ça que je voulais la griffe de Dordrak, pardon. J'arrive pas à parler. Bisous mon yoga, merci d'être passé, et puis à la prochaine, bonne soirée. C'est pour ça que je voulais la griffe, parce que vous voyez là, c'est la griffe de Rordrak, la griffe de Nedrak, et là on est sur la griffe de Dordrak. Viscère de Linel, va falloir que je rebatte encore des gemmes nox. Et encore du Linel, je pleure. Les arts tempo, c'est ça qui me manquait la dernière fois, les arts tempo. Il va falloir que j'en reprenne encore. Éclat de corne, la prochaine fois il faudra tirer sur la corne du Rordrak. Des viscères de... Ah bah ça je peux en avoir facilement. Bah là aussi en vrai. Viscère de Linel qui nous manque. Il nous manque beaucoup de trucs de Linel. Hein. En plus, le Linel blanc, il est dur à battre. De l'ambre qui nous manque encore. Fragment d'étoile. Ailes de feu. Ailes de feu. Ok. Jolie chouchou blanche. Il reste encore plein de trucs à faire. Hein. Quand je vois tout ça, je me dis... Oh, non, non. Papillon, Fernius. Champivolt. Perche Max. Grenouille Tempo, il manque une. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? J'ai pas. Ah oui, le masque Sheikah. Ok. Il manque 4 fragments d'étoiles. Et puis les fragments d'étoiles, ils sont longs à avoir. Oui. J'adore Grabossa et Daruk. Me fait choisir l'un plutôt que l'autre. Comment ça, monsieur Mu ? Daruk, vous dites? Ou Daruk? C'est Daruk, non? Ça fait mieux Daruk, non? Je crois que je l'avais regardé, la cinématique. Il me semble que j'avais regardé toutes les cinématiques sur YouTube, vu que j'allais pas jouer au DLC. Il me semble. Dans très lointain mes souvenirs. Vraiment, l'étoile, cœur antique... Ah oh ouais, il manque plein de trucs compliqués à avoir en vrai. Ah. Oui. J'adore les cinématiques. Daruk. Non, je vais pas la regarder là. Pour pas spoiler les gens. Et puis pour pas, parce que j'ai pas envie de me re-spoiler. Si jamais je décide de faire le DLC. Oui. Bah on fait tout ce qu'on peut là actuellement. Du coup on fait quoi? Le haut, le bas en vrai? Bon, le haut, allez. Merci beaucoup. Daiti? Peut-être. Daiti. Je sais pas comment ça se prononce. Excuse-moi si je le prononce mal. Merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue à toi sur le chat. J'espère que tu te plairas bien ici. Merci beaucoup. Oui. Oui. Tu étais presque. Enlevez le ti. Dite. Peut-être dite. Bah, j'ai plus de e, je me suis dit ça doit être i comme en anglais. Oui, dite. Ok, je vais essayer de me rappeler dans ma tête. Parce que je t'avoue que j'ai une petite mémoire. Et des fois, il y a des gens qui reviennent, je suis là en mode comment on prononce le pseudo déjà? Dite. Et merci encore pour ton follow et puis ouais, j'espère que tu te plairas ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Parce que tout le monde... T'es tout seul, t'es déjà pris. Ah, d'accord, ouais. En parlant de pseudo déjà pris,
J'essaye encore de retourner à Pomme Vanille avec un O, mais... Je crois que c'est pas demain la veille. Ah! Ah, je pensais pas. Bah écoutez, merci à tous. Ok. Tant mieux. Merci Vivi d'avoir fait le travail. Non mais... 12 en attaque. J'adore ce perso. Enfin, ce perso. J'adore ce masque-là de Majora's Mask. Senti le truc venir, c'est vrai. J'ai même pas vu les derniers messages. Mais pas de soucis. Ouais. Non mais la prochaine fois, Dite, j'y arriverai. T'en fais pas. Non mais je le trouve trop classe, Link, comme ça. Vraiment, vraiment le crush ultime, c'est... Attendez, c'est pas bien rangé, j'y vois rien avec ma caméra. Il est où? Je crush sur Link. La Link comme ça, mais c'est le crush ultime. Non? Pourquoi je peux pas zoomer sur sa tête? Mince. Trop beau. Juste trop beau. Ouais, et la dernière fois, ce qui s'est passé aussi pendant mon live DJ set, vers la fin, quand il y avait les sub gifts, ça faisait très pique-me en mode ah non, mais moi j'ai pas eu de sub, j'ai pas eu de sub et tout, tu lis pas mes messages. Et j'ai réfléchi après, et j'espère que ça vous a pas mis mal à l'aise que quelqu'un réclame des subs comme ça. Et j'ai décidé de ban. Quand j'ai fini mon live, j'ai décidé de ban. Voilà. Double clic sur home pour zoomer. Attends. Tu fous ma gueule? Sur home? Ça marche pas. Home comment? Je vois de qui tu parles. Ouais, je suis désolée, hein, ça met trop mal à l'aise en tant que... C'est bon! J'ai trouvé! Ça met trop mal... Attendez. J'ai envie de t'y faire des bisous. Maintiens home. Ok. Non, c'était la... Regardez, c'était ça. C'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, c'était ce bouton-là. Vous avez vu mon Joy-Con? Celui-là, il est quasiment pété. Enfin, pété. Il n'y a pas la petite lumière et je peux plus y jouer en... Genre, je peux pas faire deux joueurs comme ça, malheureusement. Pardon, excusez-moi, vous allez avoir le tournis du vomi. Il y a écrit en bas comment zoomer. Tu sais, effectivement, voilà. Aïe, aïe. Anyway, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, le live. C'est Urbosa qui a gagné. Daruk Rivali. Oh, quel dommage. Le pauvre Rivali. C'est vrai qu'il a un peu égocentrique, mais bon. Il faut de tout pour faire un monde. Avant, j'étais pas comme ça. Je trouve que de plus en plus, j'ai plus d'ouverture d'esprit à moins critiquer quelque chose, forcément. Je sais pas. Je sais pas ce que je raconte. Non, du coup, on va pas remettre X Japan, on va mettre ça un petit peu fort, peut-être. Qu'est-ce que je vais faire? Ça. Hop là. Pourquoi j'ai un truc sur la dent? C'est un peu fort. Voilà, là on est bon. Attendez, j'ai un truc sur la dent qui me gêne, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. C'est bon, j'ai plus rien sur la chico, regarde. Un bout d'épinard. Non, c'était pas un bout d'épinard, je sais pas ce que c'était. Je sais pas. J'ai une peluche. C'est bon, j'ai plus de peluche. Je n'ai plus de peluche. Un bout d'épinard entre les chicots. Bah, merci pour ce live. Attendez, je fais ça parce qu'on voit le truc de Quentin. Merci beaucoup pour ce live. Je regarde s'il n'y a pas des gens. Ils sont en live.
On est sur Twitch. Twitch.tv. Slash Pumani. Oh, y a pas grand monde. Bibi, tu peux lancer un live pour que je te raide, s'il te plaît. Est-ce que si je pousse encore une demi-heure? Just Dance 2017, 9 sous blister sur PS3 pour 5 balles sur Vinted. Ah ouais? Effectivement, ça vaut le coup. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Est-ce que je fais un bébé raid à Ultia? C'est pas une question. Salut! Merci beaucoup Nico, merci, merci pour ton lurk, mais de toute façon on a fini le live. Non, je pense pas que je vais réduire Ultia quand même. Je suis toute petite, non merci. Je pense que je vais plutôt raid Cohen, qui est sur du Animal Crossing New Horizons. Si jamais ça vous intéresse du Animal Crossing, vous serez servi vu qu'il n'y en a plus tellement sur cette chaîne-là. Incroyable. Allez, on va faire ça. Merci à vous, merci d'avoir été là. Merci pour tous les follow. J'ai eu pas mal de follow, donc je suis très contente. Merci beaucoup. Merci pour les resubs. Merci Nico pour tes 2 mois d'abonnement. Maintenant, tu as une petite pomme verte. Félicitations. Et merci à Raven qui m'a rincée avec des cheers et des beats. Et merci beaucoup à Michoulou pour le resub pour ses 32 mois. C'est 32 mois, moi. Merci à vous, les amis, d'avoir été ici présents. Ça m'a fait plaisir. Prochain live. I don't know. En vrai, je sais pas. Mais je vous préviendrai, évidemment, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Qui sont juste ici. N'hésitez pas à me suivre si vous me suivez pas encore. Et bien sûr, n'hésitez pas, évidemment, autopromo, à aller voir ma dernière vidéo sur Phasmophobie. Bah oui, il faut se faire un peu de pub des fois. Quand même. Allez. On va aller voir Cohen qui fait du Animal Crossing. Merci encore d'avoir été là. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Je vois que mes messages de Nightbot ne sont plus affichés là, mais qui sont bien dans le chat. Merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous. I love you so much. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Bye bye. Merci encore. Bisous. Bonne soirée. Bisous. Bon appétit. Bye bye. Thank you.